Vous savez où on est? À Taipei. Deux vols de Longshan qui est juste là. La première impression, c'est que vraiment, je trouve ça beaucoup plus joli que les temples coréens. Ouais. Et c'est très impressionnant, mais il y a des dragons partout, alors moi je suis trop heureuse. Manon me disait que c'est la divinité de la guerre et il est prié par les policiers et par les gangsters. C'était la minute information religion voilà. Par Manon. Au milieu, il y a une statue de Mazu, c'est la déesse de la mer et c'est une des divinités les plus priées à Taïwan puisque c'est une île. Mmh. Et ensuite, il faut que je le dise. Si c'est le truc que tu achètes et l'argent il revient pour le temple en mode donation. Et du coup pour que les gens achètent c'est Mickey et la Reine des Neiges. Il a été construit en 1738 voilà, par des émigrés chinois et il a été détruit pas mal de fois au cours de l'histoire. Quand il était encore en rénovation après un tremblement de terre, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale et les Américains, pensant que les Japonais avaient caché des armes à l'intérieur du temple, l'ont totalement détruit en le bombardant. Donc la ville totalement. A été reconstruite, en fait ils ont reconstruit le temple et ils ont dû détruire d'autres temples. Donc toutes les divinités des autres temples ont été ramenées dans le temple de Longshan. Voilà. Donc c'est le temple le plus connu de Taipei. Et c'est très beau et extrêmement différent des temples coréens, je trouve. C'est beaucoup plus coloré. Moi je trouve la différence principale c'est que c'est rouge et pas vert, la couleur dominante. Et il y a beaucoup plus d'or qu'en Corée. Ouais. Et beaucoup plus de sculptures sur les toits. Mais en tout cas c'est très joli. J'espère que ça vous a plu. Non, Manon, elle n'espère pas. Si, moi aussi, j'espère. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, mais juste, le seul truc, c'est que j'ai pas ressenti... Il y a beaucoup de monde. Ouais. On se trouve actuellement dans un petit marché de nuit, je crois. Bon, là, on est passé à un endroit où genre, il a été... des serpents et en fait on peut manger de la soupe de serpent et généralement ils te servent du pied de serpent et du sang de serpent et du venin de serpent avec de la vodka. Voilà et sauf que bon on a eu un petit moment où on s'est dit si on essayait et puis en fait non. Moi je suis toujours chaude. Ouais mais alors moi je suis pas chaude du tout pour essayer. Toujours.
bleu du serpent. Et là, ben là voilà, il y en a. Juste à droite. Je sais pas. Non, mais ça fait un peu dégueulasse. Franchement, ça me fait. Manon est déçue parce qu'on voit pas de serpents. Mais oui, on en a vu que deux. Je suis dégoûtée. Moi, je croyais qu'il y avait des serpents partout. Franchement, je suis déçue. Si vous venez ici pour voir des serpents, venez pas ici, quoi. En plus, ça s'appelle quand même l'allée des serpents, tu vois. On vient de ressortir du marché et on n'aura pas vu de serpents. Voilà. Donc, ni manger de serpents. Ben voilà, du coup, on n'aura pas mangé, on n'aura pas le plaisir. On en a vu juste à l'entrée deux énormes, mais vraiment, c'était très gros serpents. Mais je pense pas qu'ils étaient là pour être mangés. Je pense qu'ils étaient plus là pour que les touristes sachent qu'il y a des serpents. Voilà. Mais après, on n'a pas vu. Alors, je me disais qu'on a raté aussi, enfin, vu qu'on ne sait pas quoi ça ressemble au cuit, peut-être qu'on n'a pas fait attention. C'est ça. Je sais pas ce que c'est. Bah, découverte. Découverte, voilà. Je sais pas ce que c'est, on va vous le filmer du coup. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est là. Une autre spécificité de Taïwan assez drôle, hein, c'est ce que j'appelle le parking à scooter. En face, vous pouvez le voir, le parking de scooter occupé, juste là. Et ça, c'est drôle, c'est vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de scooters dans la ville. Mmh. Voilà. C'était tout. C'était le petit... L'intervention. Voilà, l'intervention inutile, mais qu'on apprécie. Tu expliques où on est, mon ami? Nous sommes à Bopiniao Traditional Block, Historical Block. Et en fait, c'est un bloc de quartier qui est resté pareil que dans les années 50 à peu près. Là, vous voyez Taïwan des années 50. Nous vous présentons les scooters de la police. Voilà, tout va bien! On se sent mieux. Ah ouais, là ça fait une demi-heure, on tourne dans des petites rues hein, toutes sombres et tout, et là, la civilisation s'il vous plaît. Voilà. On a l'impression d'être un peu à Myeongdong en Corée. On arrête de comparer. Ouais, on arrête de comparer la Corée. Et du coup là on se sent plus à l'aise, on est un peu plus comme à la maison quoi. Tu expliques ce qu'on mange là? Oui, du coup c'est on a finalement trouvé un endroit où manger. Du poulet, c'est bizarre, je sais pas si vous le voyez là, du pain. Fourré à on sait pas trop quoi. Voilà, si vous voulez voir à l'intérieur. C'est un peu sucré le pain. Voilà, c'est fourré, on sait pas trop ce que c'est. Et des frites, mais des frites à la pâte douce. Voilà. Merci.